Aujourd'hui, on se retrouve avec Clément, qui est le propriétaire de cette escale B5 avant, mais également avec son ami Thomas, qui va participer durant cette vidéo. Alors, Clément, c'est une Audi S4 B5 avant, qui est de quelle année? Elle est de 1999. 1999, pour parler de la peinture. C'est un bleu Santorin. Au-delà de son état, j'ai commencé à voir que tu cherchais. C'est un bleu Santorin. Tout à fait, ouais. Celle-ci, c'est un modèle avant, donc break. Break, ouais. Mais il y a également la berline. Tout à fait, ouais, qui est un peu plus rare que break. Esthétiquement, est-ce qu'il y a eu des modifications apportées? Je suppose les jantes. Ouais, les jantes. Alors, les jantes, c'est des jantes Audi A8, qu'on appelle A8 Star, qui sont en 18 pouces. Et du coup, je les ai changées parce que je voulais avoir un peu plus de stabilité, parce que de base, c'est du 17 pouces. Et aussi pour passer les freins dedans. Eh oui. Parce que les freins sont pas d'origine. Là, c'est vrai qu'on est sur l'esthétique, mais effectivement, on voit que le freinage n'est pas d'origine. Les freins de Porsche Cayenne, des Z18. Et les disques, c'est du 350 mm. C'est des disques de ML. Donc, c'est un montage pareil qui est assez connu sur S4. C'est vrai que d'origine, quand tu roules un peu, déjà le freinage il est pas endurant et ça freine quasiment pas, quoi. Et au niveau de ton étrier, on est sur combien de pistons? C'est du 6 pistons. 6 pistons, ah oui. Ouais, donc ça commence à faire. À l'arrière, on est d'origine? À l'arrière d'origine, ouais. D'ailleurs, il faudra peut-être que je le fasse. Oui, si c'est des tambours, oui. Non, c'est pas des tambours. Je rigole. C'est des freins de phase 1, du coup ils sont pleins. Je sais que sur la phase 2, c'est pas le cas. Du coup, ça pourrait être quelque chose à faire, quoi. Ouais. Quoi d'autre comme modification? Les phares. Donc, de base, c'est une phase 1. Du coup, c'est des phares qui sont normalement coupés en deux. Et là, c'est des phares de phase 2 avec des fonds noirs. Parce que je voulais un peu la rajeunir un peu avec le fond noir. Ah oui, c'est vrai que le fond noir, ça rajeunit vraiment, en fait, hein. Ouais, ouais. Et la calandre aussi en nid d'abeille, type RS4. C'est pas une vraie RS4, mais avec, pareil, le déchromage dessus. Ouais. J'ai gardé quand même le logo chromé parce que je trouvais ça... Enfin, en fait, sinon, je trouvais que c'était trop noir. Et voilà, après, il y a les petits caches ici à façon US. Ça, c'est moi, je trouvais ça cool, du coup je l'ai fait. C'est voilà. Sympa, effectivement. Ouais, tu parles des US, c'est une voiture qui est particulièrement aimée, hein. Ouais, aux États-Unis, ouais, ils aiment beaucoup, ils préparent beaucoup de S4. C'est une voiture qu'ils aiment beaucoup parce que, bah, du coup, elle, en termes de prépa, tu gagnes beaucoup. Du coup, ça colle bien, je pense, à leur mentalité US, quoi, où ils aiment beaucoup préparer les voitures et mettre beaucoup de chevaux dedans. Et ça, c'est un peu une européenne qui, justement, du coup, permet de beauté de cul des amis. Je voudrais qu'on parle de la partie moteur, au-delà de la préparation, parce que c'est un slipper. Ouais. D'origine, on retrouve quel cylindrée et quelle puissance? Alors, d'origine, c'est un 2.7 biturbo en V6. Et du coup, ça fait 265 chevaux et 400 Nm de couple. Celle-là, elle est plus trop d'origine. Je m'en doute. De toute façon, quand on voit les freins qui ont été rajoutés, ouais, on se doute que c'est pour quelque chose. Bah, faut que ça freine. Du coup, celle-là, elle est en stage 2 plus éthanol. Donc, elle est full éthanol parce que c'est une phase 1. Je sais que sur les phases 2, normalement, c'est pas le même calculateur et on peut avoir des multimaps, mais pas sur celle-là. Et du coup, dessus, ce qui a été fait, donc voilà, c'est un stage 2, elle fait 500 chevaux. 500 chevaux. Voilà. Ah oui, donc en fait, tu as doublé la puissance avec un simple stage de plus. Ouais, c'est ça. Alors après, le stage 2, il y a quand même pas mal de pièces de changer. Il y a la pompe à essence, les injecteurs, les deux turbos qui sont les turbos de RS4. Donc les turbos ont été changés? Les turbos ont été changés. Ouais. Donc tu considères que ça reste quand même un stage de plus et qu'on n'est pas en stage 3? Bah, stage 3, tu peux changer les turbos, en fait. Remettre des turbos encore plus gros. Ah, donc quand tu dis changer, ça veut dire que tu es resté sur des turbos origine? C'est des turbos origine RS4. RS4, d'accord. Ça, c'est... En fait, c'est un petit peu borderline avec le stage 3, étant donné que c'est des plus gros turbos, je pense, sur les RS4. Après, les stages, moi, je sais jamais, mais moi, c'est ce qui est marqué sur la carto, stage 2 pouces. Les injecteurs qui ont été changés, les bobines R8, la carto, il y a les combinés filetés aussi, on n'en a pas parlé. Mais... Et pourtant, elle n'est pas si basse que ça. Hein. Non, je l'ai gardée haute, parce que je veux pouvoir passer les dodanes et tout. Ouais, c'est l'horreur. Franchement, quand c'est trop bas, déjà elle frotte à certains endroits. Ouais, le bloc est forgé effectivement parce que c'est vrai que à ces puissances-là, ce qui a tendance à casser, c'est les bielles. Ah, les bielles? Ouais. Ah oui. Il n'y a que les bielles qui sont forgées dessus.
sans faire de jeu de mots, pièce moteur quand même, hein, c'est important. Ouais. Bon, t'as quand même des gains qui sont vraiment très impressionnants, quoi. Ouais. En stage 3, on frôle, on peut aller jusqu'à quelle puissance à peu près? Stage 3, 650-700. Les turbos sont où? Ils sont de part et d'autre, derrière le compartiment moteur là. Donc tu dois poser le moteur en 4 casse. C'est ça, et ça m'est arrivé du coup, bah, c'est pour ça que je l'ai changé en fait, parce que de base, moi je la trouvais... En fait, je me suis dit, je fais plus de reprogrammation, je fais plus d'optimisation de voiture. Et le truc, c'est que vu que les turbos m'ont lâché, je me suis dit, bah, c'est con de changer les turbos et de repartir sur des S4 d'origine. Bah, j'ai pris les turbos RS4. Vu qu'il faut sortir le bloc, bah, j'en ai profité pour faire embrayage, etc., renforcer. Et du coup, je me suis dit, bon, bah. Vu que je veux passer à l'éthanol, autant la mettre ses 500 chevaux quoi. T'as bien fait. Petite question, comment ça se passe? Donc il y a deux échangeurs, deux admissions d'air? Non, il n'y a qu'une admission. Une seule admission d'air. Une seule admi qui est là, dans la boîte à air là. Et il y a deux échangeurs de part et d'autre, qui sont des échangeurs du coup RS4, c'est pas ceux de S4. T'as aussi plusieurs montages là encore. Moi j'ai pris les échangeurs RS4 parce que je voulais avoir un truc sobre, qui se voit pas. Mais après tu peux mettre un échangeur en façade, mais tu es obligé de retirer les grilles ici, de découper le pare-choc. Et oui, tout de suite tu es beaucoup moins discret. Ouais, beaucoup moins discret. Du coup moi je voulais un truc discret. C'est vrai que bon, cette voiture elle passe assez tranquillement. J'ai jamais eu de problème avec la police ou autre. En termes de couple, qu'est-ce que ça donne? En termes de couple, pareil du coup, mais je l'ai pas passé au banc, mais elle serait aux alentours des 650-700. Ah oui. Ah oui, oui, donc ça commence à devenir fortement intéressant. On est sur le couple d'une Tesla Model 3 Performance. Au poids, t'es à 1,5 tonne. C'est léger. Du coup, ça va. Surtout pour un moteur V6 avec une cylindrée proche de 3 litres. En quattro, du coup, t'as quand même l'arbre et tout qui pèse du poids. Pour parler des formes de cette S4 B5 avant, c'est vrai que dans ces années-là, c'était assez arrondi hein, chez Audi hein, quand même. Hein. On voit au niveau des pare-chocs principalement, mais... Ouais, ils n'avaient pas cette mode de faire des arêtes un peu partout. Là, c'était très rond. Pareil sur la S3 de la 8L de cette époque-là. Très rond aussi. C'est très rond, ça ressemble beaucoup. En vrai. Pour passer en revue l'intérieur, bon, tout de suite, il y a quelque chose qu'on constate. Il y a un problème là, il y a un truc qui va pas. Ouais, il y a un problème. En fait, je suis en train de refaire l'intérieur. L'intérieur crème, là, le siège beige, c'est d'origine. Comme on peut voir, il est un peu mort. Et moi, je passe sur un Recaro. Donc celui qui est à côté. Ouais. C'est assez simple, c'est sobre. Ouais, c'est simple. Après, en fait, t'as quand même quelques infos en plus, du style la température d'huile ici. C'est un truc que je regarde assez souvent. Mm-hmm. Donc ça, c'est un des manos qui a un plus, mais sinon, la température d'eau, le contour et basta quoi. Ouais, ouais. Par contre, petit détail que j'apprécie, c'est qu'ils ont mis des compteurs à fond gris. Et ça, je trouve ça très sympa. Ouais. Ouais, ouais, j'aime beaucoup avec un petit peu de rouge. Le rappel S4 sur le compteur de vitesse, également au niveau du volant. Ouais, c'est ça, ouais. Mais après, le reste, c'est quand même simple. Hein. En plus, ces rappels-là, ils rappellent un peu la S2 et la RS2, parce que c'est des badges qui sont un peu de cette époque-là, en fait, ils changeaient les lettrages dedans. Petit détail qu'on n'a pas évoqué, c'est un modèle quattro. Donc, de toute façon, je suppose que toutes les S4 sont quattro. Ouais. Toutes sont quattro et celle-là, elle a le carbone aussi. Ça, c'est d'origine. Ah, c'est d'origine. Ouais, ouais, ouais. J'allais te demander. C'est pas du covering ou autre, c'est du vrai carbone d'origine. Ouais. Et ça change du bois qu'on retrouve dans les BMW de ces années, ces années-là. Tu peux l'avoir aussi, tu avais soit de l'alu, soit du bois. Et... sur celle-là, c'est carbone. J'ai rajouté un manot de pression de turbo. Je m'en doutais. De base. Et puis, pour avoir un peu. Monitorer un peu les turbos, voir si tout va bien. Et ça charge à combien en pleine charge? Celle-là, elle souffle à 1,5 bar en pleine charge. Et forcément, boîte manuelle. Donc, c'est une boîte 6. C'est ça, boîte 6. Ok. Bon, tu nous montres un petit peu le bruit que ça fait. Qu'est-ce qu'on a niveau ligne? Niveau ligne, on a une ligne full Toyo Sport. Ouais, c'est la base là-dessus, c'est des lignes pas trop chères quoi, qui montent bien là-dessus. Bah, du coup, il n'y a plus de kata et il y a quelques silencieux, je crois. D'accord, pas d'inter? Si, j'ai gardé les inter. Rien que le cold start, à mon avis, ça doit être sympa là-dessus. Hein. Ouais. Moi, j'habite dans sa rue pour te dire, quand il passe même devant chez moi, on l'entend déjà, c'est déjà assez suffisant après. Moi, je trouve que rester un peu sobre, c'est bien aussi. Ouais, ouais. La décès aux oreilles. C'est
un bruit sourd. Ouais. Il porte quand même ce bruit, ouais, parce que ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment quand même beaucoup absorbé. Ouais, bah c'est quand même absorbé, mais ouais, quand tu l'entends arriver, ouais, tu l'entends ouais, arriver. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Tout le monde est bien installé ? Non, ceinture. Ceinture, c'est bon. Tu mets la ceinture. Donc cette escate, tu l'as depuis combien de temps là ? Ça fait 6 ans et demi. Ah oui, quand même ? Ouais, ouais, ça fait un bon bout de temps. Enfin, du coup, j'ai roulé origine avec. J'ai roulé stage 1, ensuite stage 2 plus. Attaché. Ouais. T'as une petite anecdote à nous raconter, c'est que t'as la facture d'achat de la voiture en... Ouais, tout à fait, je l'ai acheté et en fait les proprios avaient gardé la facture d'achat. Et du coup, ouais, j'ai la facture d'achat en francs. Eh oui, en francs, parce que c'était avant 2001. Ouais, c'est ça, et du coup, bah, y a les deux, t'as la facture en euros et en francs. Et du coup, elle était un... Je crois que c'est un militaire qui l'a acheté, de base. Et ouais, du coup, elle était dans les 47 000 euros, donc je sais plus, 260 000 francs, un truc comme ça. Et du coup, ah, ça fait, c'est sympa comme détail. C'est rigolo, effectivement. Il y a comparant par rapport à aujourd'hui une S4, bon, pas B5, parce que B5 c'est la génération, mais d'équivalence, c'est plus cher forcément. Bah ouais, je pense que ça doit être dans les 60 000, non si, une S4 même, peut-être plus, hein. 65, je sais pas. Bon, après, ça se comprend aussi par toute l'électronique qui est arrivée avec ouais, les plus modernes. Toutes ces choses. Et tant qu'on est dans les prix, ça cote. Alors ça cote, moi je l'ai acheté 6000 et quelques, 6004 je crois, non 6100. Et là je pense qu'on est aux alentours des 10 000, 10 000, 11 000. Donc ça a pris un petit peu, mais malgré 6 ans, ça peine à monter quand même. Ouais, ça peine à monter, ouais. C'est vrai que c'est une voiture qui est un peu, je pense, méconnue en fait. Pourtant elle a un gros potentiel de prépa et un super moteur. En plus elle est en 4 roues motrices permanentes. Donc en gros c'était un peu un précurseur de ce que tu peux avoir chez Subaru, etc. Quoi. Mmh. Sauf que bon, c'est beaucoup plus confortable bien sûr, mais en vrai les specs sont pas loin. Quoi. Ah, ouais. Donc forcément tu l'as connu sans les KW, c'était un peu bateau je suppose. Hein. Ouais, c'était un peu plus bateau. Ouais. À haute vitesse ça se balade un peu, quoi. Ça a tendance à se soulever. Surtout en pleine charge, à mon avis. Surtout en pleine charge. Ouais. Et quand tu lui mets 500 chevaux. Et quand tu lui mets 500 chevaux, ouais, elle s'écrase beaucoup de l'arrière en fait. Et ouais, en origine, elle s'écrasait vachement parce que je l'ai eu à 500 chevaux avec frein d'origine et suspension d'origine. Et c'est vrai que c'est un bateau, quoi. Ouais, j'imagine. Par contre, je reste tout de même surpris par le poids. Tu nous as mentionné 1,5 tonne. Ouais. On est sur un modèle 4 motrices, donc plus lourd que du 2 roues motrices. Un bloc B6. 1,5 tonne. Ouais, 1,5 tonne. Je pense qu'à l'époque c'était aussi moins lourd. Hein. Les voitures ont pris du poids avec le temps, avec toutes les aides électroniques, tout ce qu'il y a dedans. Et elle est plus petite aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a le gabarit qu'on mentionnait tout à l'heure qui est plus petit que celle d'aujourd'hui. À comparo d'une RS3, c'est le même poids. Quoi. En termes de bruit intérieur, c'est très bien. Ouais, c'est honnête. Ouais. Bah, comme dit, vu que j'ai gardé les intermédiaires, ça chante, mais pas trop. Quoi. Parce que le bruit de bourdonnement viendrait plutôt des intermédiaires. Ouais, je veux dire, pense. Il serait masqué par les intermédiaires. Je pense, ouais, un petit peu. Ouais. Après, quand ça charge, tu l'entends quand même bien. On va pas parler de ce bloc, il est fiable. Je parle d'origine. Est-ce qu'il est fiable? Le bloc en lui-même est fiable. Après, c'est tout ce qui est périphérique. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec. Après, le problème, c'est que sur ce bloc-là, tu peux pas travailler. Il est trop gros pour la même hauteur. Dès que tu as un truc à faire dessus, par exemple les turbos ou autre, tu es obligé de le sortir. Moi j'ai eu pas mal de galères dessus, j'ai plein d'anecdotes où je suis resté bloqué sur l'autoroute, j'ai eu un capteur PMH qui m'a lâché sur l'autoroute, du coup la voiture elle s'est coupée, j'avais plus rien, j'avais plus de volant, du coup je me suis raté, elle est repartie, j'ai eu beaucoup de démanchonnage aussi suite à la prépa. Il y a trop de pression et du coup, ça démange jeune. Mais ça démange là. Ah ouais. Ce qui est le plus impressionnant, c'est pas tant la puissance, c'est le couple. Ouais, c'est vrai, c'est ouf. Comment tu es proche.
projeté à l'arrière. Ah ouais. Ça s'élève de l'avant, ça plaque de l'arrière. Là, c'était une... que le châssis se tord. Là, c'était une proie et ouais, elle s'écrase. Donc, ouais. En origine, elle s'écrasait encore beaucoup plus que ça. Elle commençait à flotter de l'avant. Donc... Ah ouais, non. Et puis là, il y a du monde dans la voiture. Ah, en fait, c'est ça. Ah ouais, non, ça marche à fond. Franchement. Ouais, alors, je sais pas d'origine si t'as quand même des bonnes sensations, mais là. Je suis conquis, j'adore. T'as des bonnes sensations d'origine. Franchement, c'est, en fait, c'est surtout que c'est vraiment instantané le couple. C'est, elle est beaucoup plus homogène. Là, c'est tout ou rien. Mais d'origine, ça, c'est sympa. Ouais. Ça marche bien, mais bon, c'est pas du tout comparable. Hein. En revenant sur nos pas, j'aimerais bien revoir une reprise en deux. Parce que j'imagine qu'avec le 4 roues motrices, il n'y a aucun problème niveau motricité. Ouais, ça, et ça doit arracher sévère. Hein. Parce qu'on a senti que quand ils ont bien chargé, on a eu une poussée supplémentaire. Ouais. En fait, il faut les avoir autour de 2008, 3000, je pense. Plus même. 3002, 3005, ouais. Et là, tu les sens bien. C'est quand même une machine à sensations, ce truc-là. Ouais, franchement, ça marche vraiment. C'est vrai vraiment que l'extérieur, tu t'en rends pas trop compte. Quoi. Tu dis, ouais, c'est un break, mais. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, quand je t'ai demandé le coût que t'avais la voiture, tu m'as dit proche de 700. Ouais. Ce qui est proche de ce qu'on trouve dans une Tesla Model 3 Performance. Ouais, ouais. Donc, celle. La Model 3 la plus radicale. Mais tu vois, c'est des sensations totalement différentes. Je m'explique. Là, ce qui est agréable, c'est de sentir les turbos qui chargent et l'action progressive. Alors que sur la Tesla, c'est instantané direct. L'effet on-off est très prononcé. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Et encore plus avec la carte. Ouais. Avec la reprog et tout, ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est sympa. Est-ce que tu sens quand même une différence quand t'as deux passagers en plus? Ouais, ça marche plus fort quand on est que deux. Franchement, le poids, ouais, c'est rien à voir. Hein. J'ai demandé à Clément s'il pouvait m'emmener faire un tour seul pour que je vois la réelle accélération. C'est ça. Donc, tu partirais en deux, hein. On part en deux. Parce que en fait avant j'avais une 200 SX et j'ai eu des enfants, du coup je me suis dit bon il faut un break pour partir en vacances et le truc c'est que j'achète toujours des voitures de sport et j'avais regardé un peu les modèles qu'il y avait qui n'étaient pas trop chers et qui marchaient bien et celle-là elle avait tous les critères quoi. En gros c'est un break, c'est assez confortable, ça reste confortable quand même sur l'autoroute, le moteur il est incroyable. Et c'est 4 roues motrices, du coup c'est safe. Ça va, ça tente pas, hein. Voilà. T'as peut-être aussi le 4 roues motrices qui te permet de bien accrocher. Ouais, hein. C'est ça. Aussi, ouais. Hein. Attention, on est nombreux, hein. Ouais. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus de mordant quand même. Ah, j'ai pas appuyé à fond. Ouais, t'avais peur de bloquer? Ouais, parce qu'en fait, j'ai un problème d'ABS dessus. Ah, c'est pour ça qu'elle a bloqué les roues. D'accord, oui, j'ai entendu un petit peu. Clément, pour nous donner les plus et les moins en quelques mots, les plus et les moins, les plus le moteur, le fait qu'elle soit 4 roues motrices aussi. Je trouve que niveau espace, bon, c'est un peu petit. Moi, j'étais un peu déçu. Enfin, ça, c'est plus un moins du coup, je trouve. C'est-à-dire que tu dis que c'est un break et il n'y a quand même pas énormément de place quoi. Tu dis derrière t'es serré, tu dis putain c'est. Voilà, c'est pas énorme quoi. Peut-être sur ces générations-là. Ouais voilà. Et ça j'étais un peu déçu. Après sinon agrément de conduite, franchement sur l'autoroute c'est bien, tu peux te mettre au limitateur, c'est tranquille. Après c'est. Un moins aussi, c'est que ouais effectivement dès que tu dois faire quelque chose, tu dois sortir le bloc ou alors sortir la face avant. C'est fatigant quoi. Dès que t'as un petit truc, moi j'avais percé une durée de dos par exemple, j'étais obligé de sortir la face avant. Donc me concernant pour donner les plus et les moins, dans les côtés positifs, forcément le V6, qui est une architecture moteur qui est fort appréciée par tous les passionnés et que malheureusement on ne retrouve plus aujourd'hui.
aimé que ça soit un petit peu plus expressif en termes de design, je veux dire. Esthétiquement, ouais. Je trouve ça un peu discret, tu vois. C'est vrai. Ce qui est triste, on mentionnait tout à l'heure le fait que c'est un slipper. Bah, tu vires le badge S4, tu peux penser que c'est un jeu. Ils ont fait des TDI là-dessus. Ouais, ils ont fait des TDI. En tout cas, on va vous remercier les gars d'être venus nous présenter cette belle S4 B5 avant. Donc merci Thomas et puis Clément, et puis on se dira certainement à la prochaine si tu veux nous montrer. Carrément, bah merci de nous avoir accueillis, c'était cool. Au plaisir, allez, ciao tout le monde, salut. Ciao.